Papa, tu attends après mon direct pour mettre la machine en marche. Attends, je vais tirer la charge. Oh là là. C'est pas grave. Allô, 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 allô. Comment vous allez? Oh, vous êtes déjà là, je vous vois. Avec des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Le sushi là, j'ai déjà mis au frigo. J'avais laissé ça là. C'est qu'il y a du saumon dedans. Comment vous allez, mes personnes, mes personnes? Bon vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Causerie du vendredi soir. On va causer. On causer, on causer, on causer. Les cœurs. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, Lydie Okema. Ça, c'est ma personne. Toujours présente. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Val Yao, comment on va? Axel Boucha, ma papounette, ma moumounette, comment tu vas? Si chou, je vais bien, merci. Oh là là, oh là là. Oh, Sylvain Bas. Ah oui, 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 oui. Mon impact est très, très fort. Comment tu vas? J'espère que ça va. Fofana, Mariam Kadi Fofana, merci beaucoup. Merci pour les cœurs. C'est la petite causerie du vendredi soir. Oh, Eliane Marcel. Eliane, c'est toi, hein? Oui, oui, oui. Comment tu vas, ma chérie? C'est toi qui m'avais envoyé quelque chose pour le bébé, là. Oui, depuis Angela Koufor. Toi et moi, là, il faut qu'on se voit l'été, là. L'amour, là, est trop fort. Merci, merci, mon cher. Merci beaucoup. Elle dit la coiffure, dose grave. Oh là là. Oh là go, 50 étoiles qui a envoyé ça. Je suis là pour vous dire merci. J'ai une petite mise au point à faire et puis avant de rentrer dans le vif du sujet. Oh, Aminata Faye, depuis Longueuil. Oh là là, elle dit, dis mon nom. J'ai dit ton nom de Fernand Djidjoko Sourou Ngouleti. Le nom est long. Oh, Elodie Tano, comment tu vas? Lisa Franca, Laza. Toi, comment allez-vous? Oh, merci beaucoup, mes personnes. Oulala, j'ai trop d'émotions, trop d'émotions. Oh, trop d'émotions. Je suis là pour vous dire avant tout merci, merci beaucoup. C'est beaucoup d'émotions. Oui, c'est beaucoup d'émotions. Parfois, dans la vie, bon, comme on dit, peut-être que, je ne sais pas comment vous dire, mais parfois, il faut que quelque chose arrive pour que tu Elle dit quoi? Maman, non, pas facile, il faut laisser. Il faut qu'une situation arrive pour voir comment. Ça dit que les gens ont du dévouement pour toi, les gens ont du. Ça dit que, comme on dit parfois, j'ai vu beaucoup de trucs, hein, c'est pas une impacteuse, mais qu'on n'est pas sa place. Ça là, ça a dit quelque chose. Ça a dit beaucoup. Et quand on dit ça là, c'est une façon de te mettre en haut. Je prends ça. Merci beaucoup. Oh, elle dit, tu me plais beaucoup. Bino Sousa, merci. Je suis à Blainville. Je suis à Blainville à 30 minutes de Montréal. C'est vendredi soir, on prend un petit verre. Bon, avant tout, j'ai des informations. J'ai même écrit sur le papier pour ne pas oublier. Ma nièce Chanel T, je suis ici pour te mettre en haut. Donnez des cœurs à Chanel T. Donnez-lui les cœurs. Mais pompez les cœurs pour elle. Voilà. Ma nièce, merci beaucoup. C'est la paix qui est meilleure. Oh là là, beaucoup de cœur pour elle. Je vous avais parlé du conteneur qui venait sur Montréal où on devait envoyer des condiments, tout et tout. Finalement, les poissons sont acceptés. Je vais mettre, comment on appelle ça? Je vais mettre, 125 étoiles. Merci beaucoup. Avant même qu'on rentre dans le vif du sujet. Bon, je bois un petit porto. Ouais, c'est un petit porto que je bois. Voilà. Donc, comme je disais, Touré, pardon, j'aime ta manière de parler, je t'adore. Merci, c'est gentil, c'est très... Brigitte, Bidi, Ayo, comment tu vas? Jolie fleur, oh là là, oh là là. Oui, Aimé Chanel, c'est une personne qui est vraie. C'est une personne qui est vraie. Chanel est guérie, hein, mais elle a un côté bêté. On n'est pas sur les réseaux sociaux pour expliquer les liens de parenté. Elle a un côté bêté. Donc,
C'est ça, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, le ti là, c'est guéri. Maintenant, du côté de... Il y a un autre côté où on se rejoint là-bas. Donc, donnez des cœurs à ma nièce. Bon, je rentre dans le vif du sujet. Il y a du poisson que je vous avais parlé d'un conteneur qui venait sur Montréal. À partir du 15 février, il y aura ce conteneur là. Donc, au départ, le poisson, on n'avait pas encore reçu l'agrégation. Mais c'est reçu. On peut envoyer maintenant le poisson fumé dans ce conteneur là. Donc, le conteneur dont je parle là, il ferme le 15 février. Donc, pour ceux qui sont encore intéressés, vous pouvez envoyer, comme on appelle ça, vos colis. Je vais profiter pour que vraiment, pour dire merci à une impactée très très forte, à moi Florence. Elle dit, maman Moni, tu te trompes toujours, tu dis à moi Yolande. C'est pas à moi Yolande, c'est à moi Florence. C'est une impactée très très forte qui a beaucoup de sympathie. Je ne savais pas comment je vais vous expliquer. Dans ce conteneur qui vient là, elle a payé jusqu'à 80 kilos de bouffe, nourriture, poisson, tout qu'elle m'envoie sur le Canada. Merci beaucoup, des cœurs pour Amouin Florence. Mon impact est très très fort depuis le Maroc. Amadou So, il dit maman je t'aime jusqu'à je vais mourir. On s'est dit qu'on voit le bon en toi, on voit le vrai en toi. Donc moi je t'aime. Il a dit que ça là, ça n'a pas commencé, on le dit. Je vais t'honorer dans une vidéo. Donc ce soir là, des cœurs pour Amadou So. Donc, bon, vous savez que j'ai un fan club, le fan club de l'impacteuse. Oui, ce fan club-là, il bouge actuellement, il bouge. Donc, si vous êtes intéressé, je vais vous mettre le lien pour que vous vous abonniez sur mon fan club. Désormais, tous mes petits flafla, quand le COVID va finir, si je pars en voyage, les affaires, les petits flafla, on va mettre ça sur le fan club. Alors, au moins, je sais que si tu es dans mon fan club, c'est que tu es ma personne, c'est que tu m'aimes pas. Tu ne peux pas prétendre aimer une personne et puis la personne met quelque chose, tu viens critiquer. Vous comprenez? Donc, on va aller comme ça. Ensuite, bientôt, c'est mon anniversaire. Sachez que je suis dans une zone rouge. Oui, je suis dans la zone rouge. Par exemple, vous m'envoyez les messages, l'impacteuse. Tu as dit que ton anniversaire, c'est en février. Je ne donne pas de date. Il n'y a rien de prévu. C'est mon anniversaire février. Rien n'est prévu parce que je suis dans la zone rouge. On ne peut même pas aller dans un chalet. On ne peut pas aller dans un restaurant. Donc, pourquoi se fatiguer? Donc, ça va passer, comme on dit, comme ça. Merci beaucoup. Ensuite, ce que je voulais dire, je sais que vous m'aimez beaucoup. Pas nécessaire de m'envoyer des commissions. Les commissions sur les réseaux sociaux, là. Laissez ça, laissez. Si moi-même, je veux aller prendre les commissions, je sais où aller prendre. Donc, si je suis quitté où ça dit où les commissions sont là. Donc, je ne veux pas. Donc, je sais que c'est pas estime, l'impact, il ne faut pas répondre. Répondre à quoi? Il faut voir d'abord pour répondre. Il faut entendre d'abord pour répondre. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Donc, je ne réponds pas. C'est ce que je tenais à vous dire. Laurent Nguet sans Kouassi, comment ça va? Voilà. Donc, maintenant, là, on ne joue plus maintenant. Les faux commentaires, les mauvais commentaires sur ma page. Avant, je disais les commentaires injurieux. Maintenant, même ces mauvais commentaires, c'est blocage après le direct. C'est ça qui est là. Donc, mes personnes, les mauvais commentaires là, vous me mettez un petit crâne de mort comme d'habitude. Après, je fais le nettoyage. On n'est plus dans le niaisage. Nous, au Québec, on dit on niaise plus là. On est dans du sérieux maintenant. Merci beaucoup. Merci mes personnes. C'était pour noter ça que j'avais mis ça là. Bon, là maintenant, sans lecture, je rentre dans le vif du sujet. Mes amis, je suis là pour vous parler. Vous savez, si, parce que oui, hein, je précise dans mes vidéos, si toi, tu vis en Occident, tu vis en Afrique, tu as, ça dit que tu as ton bon travail, tu as ton argent, ton compte est blindé, oui, tu as beaucoup d'argent, dans ta famille là-bas, tout le monde est bien, et puis matin, midi, soir, toi, ton argent là, tu mets dans les marques là, hein, et puis malgré que, bien que tu t'habilles dans les marques du 1er au 31, ton compte est blindé. Jusqu'à ce que tu n'as pas de problème financier, ma vidéo ne s'adresse pas à toi. On n'a qu'à préciser. Ma vidéo là, ce n'est pas pour toi. Parce que quand j'ai parlé des marques là, c'est pour dire ça. Donc je précise en même temps. Je suis là pour donner des conseils à mes soeurs africaines, aux hommes aussi. Oui, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont là dans les affaires de marques à n'en point finir. Quand on est en train de parler, c'est parce qu'il y a de l'abus. Voilà, quand on essaie de tirer la sonnette d'alarme là, c'est parce que c'est abusif, ça devient, comme on dit, c'est abusé. Donc c'est pour ça que on essaie de parler pour que des gens comprennent. Sinon on n'est pas ici pour dire que les marques là, c'est pas bon. Dans la vie là, tu peux te faire plaisir. Mais quand le plaisir là, ça dit que tu le fais sans contrôle. Quand le plaisir est fait de façon désordonnée, mais ça dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Vous comprenez? Je suis là aujourd'hui parce qu'on a un frère africain qui vit à Washington, qui m'avait rejoint la semaine dernière.
pour me parler, pour me dire l'impacteuse. Vraiment, j'ai un sérieux problème dans mon foyer. Ma femme n'a pas un autre problème. Et ma femme est infirmière. Moi, je suis physiothérapeute. Physiothérapeute, là, comment on appelle ça dans le truc? Hein? Voilà, kinésithérapeute, oui, dans le système américain, kinésithérapeute, c'est physio ici. Donc lui, il est physiothérapeute, physiothérapeute à Washington, sa femme est infirmière. Donc ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas faim, ils ne manquent de rien. Mais le problème qu'il vit avec sa femme, ça veut dire que la difficulté qu'il rencontre avec elle, c'est à faire des marques là. Il dit que si ce n'est pas quelque chose de marque là, ça n'a pas de valeur aux yeux de ma femme. Que la maison est remplie. J'ai dit, quand il parlait, j'ai dit, ah, les hommes aussi, ils aiment aggraver. Maison est remplie comment? On va payer quand maison va être remplie. Il m'a dit, l'impacteuse, comme toi, tu aimes la vérité, tu aimes dire les choses, ben, quand elle va partir au travail, je vais filmer pour t'envoyer. Mes amis, quand le monsieur a filmé pour m'envoyer, le dressing de la femme, le dressing de notre soeur, j'ai dit que, si tu vois là, ces chaussures-là sont alignées comme pour Angelina Jolie. J'ai dit que sa garde-robe là, c'est comme pour Jennifer Lopez. J'ai dit, mais elle est infirmière. À quel moment elle porte tout ça là? Hein, mon frère? Il dit que c'est pour ça que je suis venu te parler. Si au moins il y avait événement. Il n'y a pas événement. Il n'y a rien. Elle paye, elle paye, elle paye. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Je lui ai demandé, mais tout ce qu'elle paye là, tout ce qu'elle achète là, est-ce qu'elle les porte? Il dit, non, pas nécessairement. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, ce problème-là, c'est ce qu'on appelle l'achat compulsif. Je suis là aujourd'hui. Oui, partagez le direct. Vous comprenez? Partagez, parce que c'est quelque chose qui est réel. Hein? Les achats compulsifs, moi-même, je suis passée par là. Oui, c'est vrai, ce n'était pas aussi aggravé que ça. Mais quoi qu'on dise là, tu n'as pas besoin de quelque chose. Ça veut dire, même si tu dois acheter, quand même, tu vas essayer de... Ça veut dire, c'est quand c'est dans la démesure qu'on en parle. Donc, vous êtes nombreuses ici. Hein? J'ai dit, vous, pareil, je ne suis plus dedans. Hein? Je ne suis plus dedans. Hein? Ça, c'était avant. Avant, là, si c'est pas, ça dit qu'on m'a payé, j'ai dit de payer là. Il faut que je sorte pour aller au magasin Labé. On m'a payé, j'ai dit de payer là. Il faut que j'aille sur les sites là-bas pour chercher. Ça dit qu'il n'y a aucun besoin. Mais ça dit qu'on s'enfonce dedans. Moi, je suis là pour attirer l'attention des femmes africaines. Hein? Les hommes le font. Hein? Bon, moi, quand je vois un homme qui va passer tout son temps à payer les marques, au lieu de chercher à réaliser quelque chose, bon, pour moi, bon, je ne sais pas comment t'appeler, quoi. Ça dit, ce côté-là, on donnait plus les conseils à nos soeurs. On n'est pas ici pour dénigrer quelqu'un. De temps en temps, tu peux te faire un petit plaisir. On travaille là, c'est pour se faire plaisir. On ne travaille pas aussi pour être à terre. Ou bien on ne travaille pas pour ça dit qu'on voit quelque chose qui nous plaît. Puis, non, 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 il ne s'agit pas de ça. Mais on est là parce que le problème devient sérieux. Mais les gens chez lesquels même on vit ici là-haut, est-ce qu'eux, ils prennent à faire des marques là-même pour charger? Ceux-mêmes qui ont fabriqué leurs trucs là, ceux qui fabriquent, ça dit qu'ils ont fabriqué mais dans les pays où même les marques sont fabriquées là. Eux, ils ne se cassent pas la tête. Ça dit que nous qui sommes des boyeurs gens, nous qui sommes quittés loin pour venir chercher, c'est nous qui prenons à faire des marques là et on abuse, on met de l'argent dedans, on ne contrôle rien, vous comprenez? J'ai dit qu'il est temps que chacun fasse une introspection. Mmh. Ça dit que tu essaies de regarder, est-ce que les gestes que je pose, on est rendu où maintenant? Ça dit que tu es en train de faire un achat, tu te demandes, est-ce que j'ai le besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Oui, on est là pour parler parce qu'il y a certaines femmes qui sont dans cette frénésie dépensière là. Il y a des femmes, oui, quand on parle de frénésie là, il faut voir quand on est dans la période des fêtes là. Comment on est comme ça? Ouh, il y a des femmes comme ça. Elles ne peuvent pas rentrer dans un magasin. Il faut nécessairement qu'elles achètent quelque chose. Et il faut que ce soit quelque chose de marque. Vous comprenez? Mais quand tu appelles les marques là-haut, mais c'est sûr qu'à un moment donné là, ça dit que tu as, ça dit que c'est comme si tu as mis, ça dit que l'agréable avant l'utile. Hein? Je vous parle de ça parce que quand j'avais pas encore perdu le poids là, c'était mon travail. On m'a payé net là. Ça dit que c'est comme, il faut que je dépense. Vous comprenez? Mais à un moment donné, tu fais stop. Ça dit que tu réfléchis. J'ai mis le poids sur ma page. J'ai vu des femmes qui ont réagi d'une manière, mais s'il dépense son argent, si elle dépense son argent, c'est pour ça lui, il ne va pas réaliser. Il a dit qu'il y a d'autres femmes même qui méritent, même pas que des hommes les gardent dans la maison. Mmh.
Il y a certaines femmes, ça dit quand tu regardes les raisonnements, bon, j'ai vu ce genre de raisonnement d'eux. Il y a une qui est quelque part en Occident et puis il y a une qui est au pays. Bon, toi qui es au pays, le monsieur a dit que lui, il n'arrive pas à réaliser. Toi aussi, tu viens poser commentaire. C'est ça qui l'empêche. Vous savez comment des femmes, chaque fois, elles investissent l'argent dedans, des sacs à main. Moi, j'ai vu sur la toile des femmes, ça dit que tu n'es pas une star. Tu n'es rien, hein? Tu es une blogueuse, tu te vantes que oui. J'ai vu, il y a comme 2 ou 3 ans de cela, qui est venu montrer son sac à main Hermès, qu'elle a payé, je pense, à 9 000 ou bien 10 000 euros. J'ai dit, mais elle est sérieuse? Sac à main, 10 000 euros. 10 000 euros qui peut payer terrain à Abidjan. 10 000 euros qui peut payer terrain à Douala. Mais attends. Vous comprenez? Vraiment, ce problème est devenu sérieux. Mais ce que vous oubliez là, quand toi tu mets l'argent dans les marques, tu mets l'argent dans les marques, tu payes tout ce que tu veux, tout article que tu vois, tu payes là-haut. Mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui bouche le trou quelque part. Je vous ai dit, hein? Oui, tu dis que c'est ton argent. Mais pendant que toi tu es en train de prendre ton argent pour payer que des vêtements de marque, alors que tu es dans un foyer, alors que ça dit que tu dois contribuer aussi aux dépenses là. Mais elle le trou vide que tu laisses là. Il y a quelqu'un qui comble ça. Vous voyez, hein? On exagère dans tout. Tu t'entres dans les boutiques ici, là. Tu ne vas pas voir les Québécois dans les boutiques comme ça. Si toi-même, quand tu vois le Québécois, ici, c'est les vieilles femmes qui sont dans les marques. Hein? Les femmes qui sont à la retraite, là. C'est elles qui sont dans les marques ici. Tu ne vas pas voir une dame de ma trempe ou bien moins âgée que moi. Tu vas la trouver dans un grand magasin. Mais il y a un magasin de Gucci qui avait ouvert près de chez moi à Mirabel ici. Ils ont fermé. C'est qui va là-bas? On ne peut pas la payer pas à toutes. Une femme québécoise, elle prend son âme pour payer ça quand même 3 000 $. Aïe! Mais nous, on le fait. On le fait et puis on s'enorgueille. Ça dit qu'on se donne de la valeur parce qu'on se dit que je m'habille que dans les habits de marque. Mais attends, nous on est là pour réveiller vos mentalités. C'est causerie du vendredi soir. Parce que les marques, tu payes là. Ma chérie, la carte de crédit est en train de gonfler. Hein? La carte de crédit, Yeri Pataye le dirait, c'est causerie du soir. Causerie du soir, mes impactés. Ah bon, Marie Bawa, yeah, tu vois, hein? Ici, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, je commençais à réfléchir. Pendant que toi, tu veux payer les choses de marque. Et puis, tu vois, c'est une vieille femme. Elle est à la retraite. Elle est bien chic. Tu n'as jamais vu une Québécoise de ton âge qui est dans un magasin pour payer marque. À un moment donné, je dis, attends, la fille de Z. Donc, toi, tu es venue ici pour payer les marques seulement. Je suis sortie de là très vite. Mais pour sortir de là aussi, là. Parce que quand on est dedans là, quand on est dans ça là, nos hommes nous parlent, ça devient palable. On dit que, oh, il veut contrôler mon argent. Il a dit que je suis passé par là. Par là, ben, le monsieur ici. Est-ce que c'est ton argent? Moi et la marraine, voici une dépensière aussi. La marraine de Wendy. Vous comprenez? On a fait qu'à un moment donné là, il regarde ça et dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que il y a des coins où tu peux voir. J'ai dit que le premier sac Louis Vuitton que j'ai porté au Canada ici, je suis partie à une de mes soeurs ici, Nancy. On est parti dans un coin qu'on appelle le village des valeurs. On est arrivé là-bas, il y a une jeune dame, elle dit que sa mère est décédée, tout et tout. Sa mère avait acheté ce sac-là, mais elle a, ça dit que tellement la mort de sa mère là était brusque, elle veut même pas de ce sac-là, c'est pour ça qu'elle est venue. J'ai dit, on était là. Nancy me dit dans notre dialecte, nia. Le sac là, tu ne peux pas prendre, c'est le vrai. J'ai dit, je regarde dedans, c'était le vrai. C'est ce jour-là, j'ai payé mon premier sac Louis Vuitton original. À combien? 100 $. J'ai pris en même temps, là, sur place. J'ai porté ce sac-là pendant au moins 5 à 6 ans. Et puis l'année dernière, je m'en suis débarrassée, j'ai fait cadeau. Donc, à un moment donné aussi, là, chacun réfléchit. Vous ne pouvez pas toujours vous mettre dans les marques. Et puis le problème, moi, ce que je n'aime pas, c'est le fait que tu te donnes de la valeur par rapport à ces objets-là. Tu n'as pas te donner de la valeur par rapport à ça. Donc, j'ai lu vos commentaires. Tu te donnes de la valeur. À un moment donné, il faut te... Ça dit qu'on est rendu où tu dois savoir si le besoin-là, il est réel ou bien il est superflu. On est rendu là. Mon besoin-là, oui, c'est vrai. Hein? J'ai vu le sac. Mes yeux brillent dessus. Tout et tout. Mais est-ce que c'est vraiment utile dans le moment-là?
Il faut qu'on se pose ce genre de questions-là. Vous comprenez? Hein? Ça dit qu'on on prépare, quand on veut partir au pays, Annick et la douce, quand tu t'es dit, bon, je vais partir au pays, tu vas payer les marques, mais attends. Tu t'en vas là-bas, là-haut. Maintenant, quand tu arrives là-bas, et puis on pense que tu as beaucoup d'argent, ça devient problème. Oh, les gens là-bas, eux, ils pensent que là, on ramasse ici. Mais quand tu étais parti là, c'est l'image que tu as projetée là-bas. Oui. Ils ne donnent même pas de la valeur à leur marque. Vous comprenez? Donc, à un moment donné là, tu essaies de voir. Si tu payais, on est venu sur les réseaux sociaux et puis on a vu que, oh, si tu ne mets pas cheveux humains, ça devient moquerie. Sinon, quand nous, on est venu, on était venu à les tissages du duo. On était venu même à les tatatans. On portait les mêmes habits. Mais à faire les mêmes habits là, j'ai dit que moi, je ne vais pas rentrer dans ça avec vous. J'ai été clair. On m'envoyait de, tu portes toujours même habit. Et puis après, est-ce que j'avais dit que je venais pour chaque direct un habit chaque... Non, 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 je n'ai pas pris engagement de ça avec quelqu'un. Dieu merci, j'en laisse ça dans les yeux des gens. Il n'y a pas quelqu'un qui se moque de moi pour dire, oh, elle porte toujours même habit là. Parce que je vais toujours porter même. Cet habit là, je crois que ça fait la troisième fois que je fais vidéo avec ça. Parce que là, si je n'avais pas allé dans les yeux des gens là, ça allait devenir encore un problème sur moi. Quelqu'un va aller se chercher des problèmes comme ça? Sinon, quand on est venu là, moi, quand je suis venu parler, première vidéo là, il y avait un tissage dur qu'on sur ma tête. Mais après, quand les autres font les directs, je vois qu'on se moque d'eux. Après, encore, c'est venu sur moi. Oh, regarde son tissage là. J'ai dit, aïe. Donc, t'as fait des tissages là. C'est un problème sur la toile. C'est un tissage, on a pris pour se moquer de mon premier jour. Donc, j'ai dit, bon, on va essayer de voir. Mais j'ai dit que je ne vais pas faire un changement de tissage chaque jour. Ça, j'ai dit ça et je suis restée. Et vous avez vu comment la perruque jaune a souffert avec vous ici. Hein? Hmm? La perruque jaune, vous vous en rappelez? Causerie du vendredi soir, partagez le direct. Non, mais écoute. C'est ça. Ils ont un peu des rires. Non, mais écoute, mais on parle de ça. On parle de ça. J'ai lu quelque chose là-dessus. Oh, oui. On m'avait dit ça. On m'a dit que, oh, elle regardait son tissage penché. Quoi. J'ai dit, aïe. Donc, on prend tissage pour se moquer des gens. Après ça, quelqu'un m'a dit, toujours les mêmes habits. J'ai dit, ah, ça là seulement. Je ne vais pas vous faire ce plaisir-là. Ça va être toujours les mêmes habits. Ce qui est sûr, c'est propre. Hein? Ça va être toujours ça. Voilà. Ah, la perruque jaune même, elle est devenue vieille maintenant. Donc, j'ai garé ça quelque part. Mais ce qu'on doit savoir, dans cette façon d'acheter-là, hein, dans ces achats compulsifs-là, il peut avoir un problème en bas. Roland Balé, oui, vous riez, mais c'est la vérité. La perruque jaune, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur la perruque jaune? Je t'ai dit, aïe, oh, j'ai souffert la perruque jaune, mais... J'ai souffert à la perruque jaune. Perruque jaune et tissage penché. J'ai souffert à ça. Mais ce que je voudrais qu'on sache, hein? Merci beaucoup. J'aime qu'on rit les vendredis soirs. Oui. Les blancs n'aiment pas dépenser inutilement. Mais ce qu'on doit comprendre, derrière les achats compulsifs, parfois, il y a des troubles qui sont là. Il y a des études qui ont été faites. Très souvent, des personnes qui se reconnaissent dans les marques, là, qui veulent toujours les marques, ça s'explique par deux facteurs. Soit c'est des gens, quand ils étaient petits, ça dit qu'ils ont tellement manqué de ça que, si vous voulez, c'est le rattrapage. Hein. Il y a tellement manqué de ça, là. Dans ma vie, là, même là, je n'ai même pas pensé que marque, là, même là, il y allait avoir ça. Et puis aujourd'hui, ça dit, comme on dit, le bonheur les a surpris là. Ces gens-là, ils se retrouvent dans les achats compulsifs. C'est pas moi qui le dis. Allez sur Internet, c'est écrit. Vous comprenez? Il y a ça. Si elle veut regarder, commenter les tissages jaunes, on va pas avancer, signer. Vous comprenez?
Hey, là, go. Non, les Africains, notre affaire n'est pas facile de... Hein? Et dans la mèche humaine, là, on s'en va regarder qualité. Pourtant, moi, pour moi, que j'ai apporté là, moi, j'ai cru que c'était la meilleure qualité. On m'a insulté un jour quelque part que, regardez, c'est sa perruque dure là-bas. J'ai dit, aïe, ça là, vraiment, ça m'a coûté cher. Hein? Donc, il n'y a pas quelque chose derrière ça là encore. Ça, c'est mon dernier cri qui est là. Mmh. Et puis j'ai une soeur en Angleterre qui m'a offert une belle perruque, là, un tissage, et puis ma coiffeuse a fait une perruque. Si quelqu'un vient se moquer de ce qui est sur ma tête là, ah, vous allez vous moquer. Passer à part ça, il n'y a pas deuxième encore. Mmh. Je ne mets pas mon argent dans les choses comme ça. Mmh. C'est que vous allez continuer de vous moquer jusqu'à vous allez être fatigué. Ça là, c'est ça là qui va remplacer la perruque jaune. Il n'y a pas quelque chose derrière. Donc, si vous pensez que chaque fois que vous allez vous moquer, on va aller chercher, on va aller faire quoi? Non, 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 non. Je dis que si tu ne veux pas qu'on se moque de toi, il ne faut pas venir sur les réseaux sociaux. Comme dit le roi, moi, c'est Monique que j'ai mariée. Je n'ai pas marié l'impacteuse. Donc, toutes les injustes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas mon affaire. Mm-hmm. Donc, c'est la vérité, je suis en train de dire. C'est le dernier cri qui est là. Après ça, là, vous allez me voir avec une autre bien là, qu'une soeur m'a offert de l'Angleterre. Ça va être les deux human air pour le moment. Pour le moment, j'ai dit. Mm-hmm. Donc, habituez-vous à celle-là. Comment vous êtes habitué à la jaune là? Flora, je te vois. Non, mais on va pas rester dans ça. Hein? Bon, moi je dis que je vais acheter la maison en Floride là. Si je me mets dans vos commentaires dessus les réseaux sociaux, oh, regardez, elle s'habille même pas, elle porte pas les choses. Quand je vais réaliser le projet? C'est quand? Ah, il y a Péruvienne, il y a quoi? J'ai dit que tout ça là, mais je connaissais même pas, c'est Wendy qui m'a montré. Mm. C'est quand je vais acheter le condo. Et puis vous allez vous moquer de moi pour dire, mais là, tu t'en as dans 50 ans maintenant, tu n'as pas encore acheté le condo. Hein. Il faut que je réalise le projet du condo en Floride. Donc, ça me prend. Il faut que je sache sur les finances. Hein? Il faut que, comme disent les Québécois, il faut que je sois près des sous. Mais tu n'es pas près des sous. Comment tu as réalisé? Hein? On se vante de la vie en Occident. Tu te vantes de la vie. Bon, et puis derrière, il n'y a rien. Ah, hein, le rouge là, hein, le rouge là, tout ça là. Faites le direct. Mais on est venu dans le pays des gens pour chercher un peu, pour chercher. D'accord, il n'y a pas de problème, Angela, pour fort. Il n'y a pas de problème. Faut partager seulement. Partager mes personnes. Partager, aïe, c'est vendredi soir, on rit. Pas possible. On va prendre la fête de Mac des Blancs. Ils ont créé leurs choses. Comme je vous ai expliqué, le premier facteur qui a été décrit, c'est que ces gens de personnes qui sont dans les marques, ça dit que dans l'enfance, ils ont manqué de ça. Ils ont manqué. Il y a un trouble derrière. C'est pas simple. Vous voyez pas comme quelque chose de simple. Sinon, tu peux comprendre que ton derrière n'est pas soudé. Tu n'as pas. Ça dit que tu n'as pas. Le deuxième facteur, c'est que ça dit le premier facteur, comme j'expliquais. Tu as vécu dans cet environnement-là. Ouais, tu as vécu dedans. Et puis, tu as vécu dans cette opulence-là. Donc, tu t'es dit qu'il faut que tu gardes ce cap-là. Ça, c'est le deuxième facteur. Donc, il y a des troubles. Quand on parle d'achat compulsif, là, ça peut t'emmener très loin même dans l'amassement compulsif. Amassement compulsif, là, là, c'est grave même. Ça dit, tu achètes seulement. Tu achètes. Tu comprends? Flora Maggie Tao, pas forcément ma puce. J'ai dit que ça peut s'expliquer, c'est ce que j'ai lu. Quelqu'un qui aime les marques de façon abusive, ce qui a été expliqué, c'est qu'il y a un trouble en bas. Mais s'il n'y a pas de trouble, pourquoi tu allais te mettre dans les marques alors que tu n'es pas riche? Hein? Tu n'es pas riche, tu t'en payes ça quand même de 10 000 euros, tu t'en payes ça quand même de 10 000 dollars. Ma soeur, est-ce que ça, il n'y a pas de problème en bas? Il y a problème en bas? Merci pour ceux qui m'ont envoyé les étoiles. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'il y a un manque quelque part. Donc la personne veut combler ce manque-là en se valorisant dans des objets. Tu comprends? Vous n'avez jamais vu des gens qui portent leur habit et puis ils viennent devant toi et puis ils disent, ah, tu vois mon habit là où j'ai payé? Pour que tu saches, ça dit mon habit là, c'est un Calvin Klein ou bien c'est un Gucci. Alors que toi, tu n'as pas demandé. Donc la personne a besoin de savoir ça pour se sentir à son aise. Vous comprenez? Sinon, pourquoi tu as me dit que ton habit là? Ah, tu as me dit que ton habit est Gucci, c'est Calvin Klein. Moi, il n'est pas demandé. Il y a bien un problème en bas. Mais ces achats compulsifs là,
ça conduit aussi au surendettement. Donc, ça veut dire qu'il y a problème en bas. Chaque jeudi, tu t'en fais sortir la carte de crédit. Je dis jeudi, pas au Canada, c'est jeudi de paye. Tu comprends? Tu peux porter un petit truc, il y a des gens qui sont naturellement élégants. Tu peux porter ton petit truc et puis ça, déjà, ça va bien. Mais tu peux te faire plaisir. Vous comprenez? Ce qu'on est en train de dire là, on critique parce que c'est dans l'abus, c'est démesuré. C'est pour ça qu'on critique. Sœur Marie-Angeline Begré, comment vas-tu? Bon, Kadi la merveille, là je te bloque. C'est fini, toi et moi. J'ai dit que maintenant, voilà, je t'ai vu, je t'ai bloqué. Bon, nouveau, bon, on dit que non, il n'y a pas de trouble en bas. Et puis, nouveau iPhone, tu ne travailles pas. Hein, ça dit que tu n'as pas quelque chose, ça dit que tu n'as pas encore une assise financière. Le nouveau iPhone qui est sorti là, c'est ce que tu te procures. Alors qu'on dit iPhone là-bas là, ça coûte près de 200 ou 300 dollars. Hein, oui, parce que ici ça coûte cher. Ça coûte cher ici. Bon, tu peux porter aussi Karim Koukoué, tu peux porter... Est-ce que c'est parce que c'est cher que ça va être nécessairement beau sur toi? Cependant, on peut se faire des plaisirs. Vous comprenez? En tout cas, moi, je vis près d'un outlet. Je suis à Mirabel, hein? Il y a un outlet ici. Il y a toutes les marques dans mon outlet. Donc, je ne me fatigue pas. Je vais payer là. Je m'en vais au outlet. Donc, le outlet est là. Et puis, j'allais payer où c'est plus cher. Non! Je m'en vais là où... Quand je, outlet, comment on appelle ça? Entrepôt. Il y a un entrepôt ici. Il y a toutes les marques américaines. Coach, Gucci. Comment on appelle ça? Même il y avait Gucci. Gucci a fermé. Comment on appelle ça? Michael Kors, tout et tout. Tout ça. Non, pourquoi Calvin Klein? Pourquoi elle me fatigue? Je m'en vais là. 1200 euros. Et là, on est en train de parler parce que là, se faire plaisir, là, maintenant, c'est devenu autre chose. Mais j'ai dit, c'est pas quand tu es rassasié même que tu commences les plaisirs. Dans la vraie vie, ça doit être comme ça. Les choses, comment on appelle ça? Les gens qu'on voit là. Les riches dont on parle tant là. Mais ils ont expliqué leur parcours. Il y a eu des moments où c'était dû. Dans le livre de Donald Trump, là, il a expliqué comment son père, comment il s'est réveillé très tôt avec pour suivre son père. Donc, ça veut dire qu'ils ont cherché à un moment pour vivre dans l'opulence. Mais tu n'as même pas encore cherché. Tu n'as même pas encore mis les assises. Et puis, tout va dans les marques. Vous comprenez? Quand eux, ils nous voient avec les marques là, eux, ils ne comprennent pas. Quand ils te voient toujours avec des marques là, ils ne te comprennent pas. Vous comprenez? À l'hôpital Notre-Dame, je suis allée passer dans le temps où on était à l'hôpital. Tu prends un patient de Notre-Dame et puis de l'hôtel Dieu, et puis tu t'en vas faire, on appelait ça l'escorte dans notre milieu à l'hôpital. On dit aujourd'hui tu as l'escorte à faire. Tu as dit que tu accompagnes un patient d'un hôpital. J'arrive, je dépose le sac là. Pendant que je mange à coup, je fais rentrer le patient. L'infirmière québécoise est venue, elle a vu le sac. Oh my God, c'est qui a laissé ce sac ici? Tout de suite, elle a reconnu le vieux sac, comment on appelle ça là? Louis Vuitton qu'elle avait acheté. Elle m'a dit, mademoiselle, tu ne laisses pas ton sac ici là. Et puis elle me demande, t'es-tu préposé? Je dis oui. Puis elle dit, ah, ok. En fait, je vois ton sac, ça a l'air d'être un sac de valeur. Mais c'est un sac de valeur, moi j'ai acheté ça dans un coin. Donc, eux, ils ne peuvent même pas comprendre que tu n'es pas d'une autre classe et puis tu te permets tous ces luxes-là. Eux, ils ne comprennent pas. Ils ont raison. C'est ça. Et ça veut dire, on est dedans. Vous comprenez? Donc, quand la femme, le gars m'a montré toute cette garde-robe et puis tout là, j'ai dit non, tu es un professionnel de la santé, ta femme même est infirmière. Donc, ça veut dire que essaie de l'amener pour voir, il faut l'envoyer chez un thérapeute, vous allez consulter pour voir. Hein, consulter pour voir. Pourquoi les messages ont bloqué tout d'un coup comme ça? Nouveau iPhone, j'ai voulu blaguer. Hein? Va acheter une marque. Mon cher Daniel Tia, ton mari est comme le roi, il va te faire cadeau, hein, mais c'est pas dans les trucs où tu as mis le blue bandé et puis il va te faire cadeau.
Les hommes ouvrent les yeux aussi. Parce qu'il y a des femmes, nous aussi, on aime profiter. Voilà. C'est ça. Il ne va pas te poser quelque chose. C'est les cadeaux que lui veut, il va t'offrir. Mais venir, dit que, oh chérie, tata, il dit pardon. Je ne suis pas dans les trucs comme ça. Oui, hein? Ils sont étonnés. J'ai dit que la femme québécoise était étonnée. Elle dit que tu es préposée. J'ai dit oui. Elle dit c'est encore le sac. J'ai dit oui. Elle dit oh boy. Ah bon. Elle dit qu'ils ne comprennent pas. Vous dites que vous souffrez chez vous là-bas. Vous dites que c'est pas assez chaud là-bas que vous venez chez nous. Et puis vous êtes sur nos, comment on appelle ça, nos marques ici. C'est vous qui payez. Non. Pourtant vous dites que c'est chaud là-bas. Bouraïma dit comment vas-tu? Esclave en Jésus, comment va? Merci pour la personne qui m'envoie les pouces, merci. Vous comprenez? Il est temps que chacun regarde, non? À un moment donné, il faut qu'on... Ça dit qu'on aille à l'essentiel. Il faut mettre vraiment l'utile avant l'agréable. Moi, je crois que ça dit que mettre les sacs en ligne dans ta maison, acheter les sacs à tout moment. Si tu achètes les sacs et puis tu as beaucoup et puis ton compte est bourré, comme j'ai dit, mon message n'est pas pour toi. Mon message, c'est pour nous qui avons encore des projets là. Si tu as encore des projets là, il faut diminuer. On ne peut pas dire de couper tout d'un coup. On peut dire de diminuer. Il faut diminuer. Parce que tu dis à quelqu'un de couper tout d'un coup là, non, ça devient sévrage. Non, on ne peut pas faire le sévrage. Parce que c'est un défaut que tu as en toi. Il faut travailler là-dessus pour essayer de s'améliorer. C'est pour ça qu'on est là. Vous voyez, quand je ne suis pas en train de ridiculiser quelqu'un, je suis là pour dire, bah, moi, mais je suis passé par là. Bon, ici, il y a température de moins 20 degrés. Mazo, moins 20 degrés. Il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas d'endroit où partir. Vous, au moins, même où vous êtes en Europe, là-bas, y a, peut-être il y a une situation pour vous. En tout cas, il n'y a pas de chocolat pour nous. Il n'y a pas où endroit, même où aller. Avant COVID, mais il n'y avait pas d'endroit. On fait les fêtes dans la maison. Il n'y a pas de boîte de nuit. Il y a une seule boîte de nuit ici, qui est sur la rue Saint-Laurent, le Balatoum. À part Balatoum, là, il n'y a pas quelque chose pour nous ici. C'est nous autres là, comme on aime voyager là-dedans, on s'organisait chaque 3 mois, on partait aux États-Unis. Maintenant, COVID a fermé les États-Unis. Donc, pourquoi quelqu'un va aller mettre tout son argent dans les marques là-bas, toujours? Bon, tu vis dans les marques, parmi tes amis, tu te vantes, j'ai les marques. En tout cas, regarde ce qu'elle a mis sur sa tête. Mais ma chérie, ta maman vit dans une maison au village là-bas. Ça dit, ça ne va pas chez ta maman. Tu n'avais pas encore sécurisé ta maman. Tu n'avais pas un budget qui est planifié pour ta maman. Et puis, tu te vantes parmi tes camarades. Tu vois comment ça peut être ridicule. Tu te vantes que tu portes les marques. Oui, c'est vrai. Pour faire venir les parents en Occident, moi, j'ai toujours dit qu'il y a le facteur chance. Tu peux avoir l'argent, mais pour faire venir tes parents, ça va être dur. Moi, je suis victime de ça. Oui, je suis là même là. S'il y a moyen pour faire rentrer mes parents, je vais faire. Mais souvent là, tu as l'argent, mais ça ne va pas. Mais toi, tu n'as jamais essayé. Tu es en Occident. Tu te vantes parmi tes amis. Je suis comme ça. On te prend pour la grande dame. Mais tes enfants sont encore en Afrique. On te prend pour la grande dame. Pourtant, tu n'as pas encore fait. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait. Il n'y a pas une personne qui est en Occident qui n'a pas fait venir rentrer ses enfants. Tout le monde veut que ses enfants viennent. En tout cas, moi, je veux que... C'est ça. Je sais, hein, c'est pas facile pour faire rentrer, comme j'ai précisé. Maintenant, si c'est pas facile, là, faut pas te croire mieux parmi tes amis. Faut pas penser que tu es mieux. Bon, tu as les sacs à main alignés. Quand tu fais le bilan des sacs à main, là, ça dépasse même 10 000 dollars ou bien 5 000 euros. Mais il n'y a même pas un petit terrain à Abidjan. Il n'y a pas... Et on laisse à Abidjan, mais il n'y a pas un terrain, Magro. Il n'y a pas un au village. On n'a rien, mais on n'a qu'à rentrer même dans les choses. Il n'y a pas le direct. Tu portes les marques et puis maman a faim. Tu portes les marques et puis ta maman doit t'appeler chaque fois. Il a dit que si tu es une digne femme, que tu es en Occident, ta mère n'a pas besoin de t'appeler pour dire j'ai besoin. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'elle dit. Patel le direct. Ça va chez toi en Occident et puis ton papa t'appelle. Non, si ça va chez toi là, ton père n'a pas besoin de t'appeler. Ta maman n'a pas besoin de t'appeler. Tu loues encore en Occident. Merci beaucoup. Tu loues encore en Occident. Et puis tu es dans les marques. Et puis tu t'enorgueilles. Mais tu es zéro pointé. Tu n'as pas de valeur. C'est ce que l'impacteuse a dit depuis son canapé ici. C'est Mangbao. C'est ce qu'elle a dit. Patel le direct.
Il n'y a pas un petit terrain qui a ton nom au village, hein, Magro, au campement même, si tu veux. Il n'y a rien pour toi là-bas. Hein? Il n'y a rien. Ton nom n'est inscrit nulle part là-bas. Et tu te vantes en Occident. Tu te donnes de la valeur parmi tes amis. J'ai dit que si tu es structuré là, pour ta maman là, tu envoies ça comme tu dois faire un virement chaque fin. Ça dit que quand tu dis que yes, je suis assise en Occident, je suis assise pour ta maman là, c'est viré comme chaque fin du mois, tu dois payer ta facture. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Mais ta maman vire, il n'y a rien qui est viré automatiquement pour ta maman. Il n'y a rien qui est viré pour ton papa. Ta maman doit t'appeler. Et puis tu as dit, quand on me paye, tu es zéro pointé, il faut te revoir. Revois-toi. Faut pas que tu vas être celle qu'on dit, son enfant est en Occident, dans la bouche seulement. Et puis quand on regarde ta mère là, tu es en Occident. Quand tu as les baisses là, nous on peut faire ça. Quand tu as les baisses là, quand on regarde ta maman dans le milieu, on dit, ah, en tout cas sa fille est là-bas, hein. Son garçon est là-bas. Hein. Quand on voit ta maman, on doit sentir ça sur ta maman. C'est ce qu'elle dit. Il n'est pas dit autre chose. Oh, tu ne dois pas avoir de la valeur parce que tu mets des marques sur toi. C'est ça? Tina, on est ensemble toujours. C'est ça qu'elle a. Donc quand tes amis se vendent de leur marque là, faut réfléchir. Faut réfléchir pour dire, attends, je suis rendu à quel niveau même de ma vie? Ah, ça dit là, comme dit les Québécois, je suis rendu où? Je suis rendu où? On vous regarde, vous ne ressemblez même pas à vos sacs. J'ai dit que le sac que j'ai qui coûte cher ici là, ça coûte 395 $. C'est le seul sac que j'ai. Ça dit que qui a dépassé. Parce qu'on est parti à l'époque à Michael Kors. J'ai vu la coupe, j'ai craqué sur la coupe. Il a attendu quand mon anniversaire, il s'est arrangé avec la marraine. Et puis il a payé le sac, c'est tout. À part ça, c'est de ma qu'elle, mais j'attends quand ça est à terre là. Quand le prix est multiplié, est réduit en 10 là. Et puis moi, il m'allait prendre. Moi, il m'allait prendre ça. Hein? Non, on ne réfléchit pas. On se laisse aller. On se dit que non. Ta, tu es comme ça, tu es comme si. Elle dit, mes larmes pleurent. Merci pour les étoiles. J'ai ma soeur en Italie, elle est sur le direct. Elle a dit, nia, ma mère a tellement souffert qu'elle n'a pas mangé pour moi. Il faut que j'arrange la tombe de ma maman. J'ai dit, tu es une digne fille de ta mère. Ta maman va te bénir là-bas. Mais vous ne faites rien même pour que vos parents vous bénissent. Et des fois, vous êtes en Occident, vous vous entretenez des hommes. Tu entretiens un garçon en Occident, alors que ta famille est au pays. J'ai dit que votre vie est à revoir. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi vous entretenez les hommes? Tu ne vis pas avec l'homme, tu l'entretiens. Même si je vis avec toi, ça dit que le plus gros doit quitter chez toi. Et puis j'ai dit que mon mari même. Hein? Ce n'est pas moi qui ai te donné tout comme ça. Hein? On vous a dit que l'amour, là, on paye. L'amour s'achète. J'attends que ce soit multiplié en bas, mougou, mougou. Et puis, je prends. Je ne peux pas dépasser ça. Non. Les gens même qui sont dans le pays, là, eux, c'est les fake, là. Eux, ils portent. Eux, ils portent le fake. Sylvain Mas, merci beaucoup pour la fleur. Merci beaucoup. Eux, ils portent les fake. Et c'est nous. Ça dit que c'est nous, on se joue les dangabas sur les marques qu'on n'a pas fabriquées. On a nos beaux vêtements là-bas. On a nos beaux trucs comme ça, on ne les valorise pas. Voici ça, lui, Vuitton a pris les trucs africains maintenant pour faire défiler. Ça dit qu'on va tout nous prendre, par exemple, on valorise. Je dis que moi, je valorise leur pays ici parce qu'ils respectent les droits de l'homme. C'est la partie qui m'intéresse. Je ne sais pas si vous comprenez mon discours. C'est la partie qui m'intéresse. Ben, eux, ils font leur gros, hein, mais la partie où ils considèrent l'homme là. Moi, c'est la partie qui m'intéresse chez eux ici. Ben, chez moi, on ne valorise pas les droits de l'homme. Et on se joue les dangambas sur les créations des autres. Il y a des partages, le direct si vous l'aimez. Partagez.
comprenez? Il est temps qu'on s'évite toutes ces tentations inutiles-là. Parce que c'est inutile. Mais pour éviter ces tentations-là, mais tu sais d'où part le problème? Comme je vous avais dit, moi, mon problème, il partait de tous les jeudis de paye. C'est ce que j'ai dit. Donc, les jeudis de paye-là, j'ai commencé à ne plus m'aventurer sur les lieux où, quand je m'en vais, il faut que je paye nécessairement, alors que je n'ai pas le besoin. On est rendu où? On doit se demander, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? On est rendu dans le questionnement. Si t'es plus, ça veut dire que si tu n'es pas capable de te questionner, de te remettre en cause pour dire, mais oui, c'est vrai, hein, c'est joli, c'est beau, mais est-ce que j'ai vraiment, c'est-tu nécessaire? Mais si ce n'est pas nécessaire partout, tu laisses. Donc, ça doit se faire de façon progressive. Bah, y a une thérapie à faire en bas. Si tu sais que tu vis en Occident et puis chaque fois, tu vois que pas, tu es tenté de payer, il faut te remettre en cause. Remettons-nous en cause. Vous comprenez? J'ai dit que quand on dit que c'est les gaou qui sont heureux, là, c'est la vérité. Pas un gaou n'a pas problème. C'est toi qui as dit que tu étais hier, là, c'est toi qui as problème. J'ai dit que quand on est venu sur les réseaux sociaux, on est venu en gaou. On n'avait pas problème au début. C'est après maintenant, là. Les critiques, oh, les injures. Oh. Dieu merci, là, on m'a tout dit sur les réseaux sociaux. On m'a jamais dit que je suis sale. J'ai dit alléluia. Ça, là, on m'a dit, oh, tu es mal habillé. C'est pas grave. On n'était pas venu faire concours de comment on appelle ça? C'était pas un podium pour venir faire un défilé de mode. On n'était pas venu faire un défilé de mode. Mais un jour aussi, ça dit que les remarques, les quoi, tout ça aussi. Il y a une qui m'a dit un jour que je me maquillais comme un déguisé, et tout comme quoi d'Halloween. J'ai dit, ok. Quand elle a dit ça, le deuxième jour, là, j'ai bien regardé, j'ai bien fait. Un peu. On ne me dit plus que je me maquille mal. Donc, il y a tout ça. Gardons l'argent pour investir, pour entreprendre. Daniel Tia, merci beaucoup. Habillement, il n'y a rien, c'est les chiffons. Voici Papa Wemba, notre vieux père, on respecte sa mémoire. Quand il est tombé sur la scène là-bas, là, hein? Est-ce qu'il est parti avec tous les chiffons là? Alors que tu peux laisser un petit bien. Il faut qu'on soit maintenant rendu là. Il faut qu'on soit rendu là. Vous comprenez? Mais comme j'ai dit que si tu vis avec ta femme, c'est ce que j'ai dit à mon frère à Washington. Je lui ai dit que toi, tu es un professionnel de la santé. Tu as déjà entendu parler de l'amassement compulsif? Il dit oui. Je dis mais pourquoi quand c'est à la télévision, vous croyez que c'est pour les autres? Mais ça à la télévision là, on montre pour que ça te donne à réfléchir. Mais ta femme, c'est une amasseuse. Désolée là, elle a, j'ai dit que son dressing là, ça part de ma cuisine de l'autre bout jusqu'à là-bas là. Comprends? Mais pourquoi on réfute la réalité? Ou bien tu es dans le déni? Ta femme a un problème. Il n'y a pas un endroit où elle s'en va. Comme on dit. Elle ne va pas quelque part. Mais elle paye seulement. Donc il y a problème en bas. Il y a problème en bas. Donc vous êtes dans la maison et vos femmes, elles achètent. Et puis quand tu commences à acheter, quand on te parle là, tu es énervé. Hein? Ça t'énerve, hein? Est-ce que c'est ton argent? Les trucs de la honte, là, oui, c'est pas mon argent, hein? Mais tu es en train de dépenser de façon abusive. Non, on attire ton attention. On vient en couple. On est là pour attirer l'attention. Vous comprenez? On n'est pas ici pour dénigrer quelqu'un. Merci beaucoup, Kim Kadrabigael. Merci. On n'est pas là pour dénigrer. Moi-même, la palabre, je faisais le monsieur. J'ai dit que c'est le monsieur, là, à un moment donné, là, qui m'a... Il s'est pas découragé. Il me parlait. Au début, je me fâchais. Il dit, quand il voit que je me fâche comme ça, là, il laisse. Après, il me fait asseoir. Jusqu'à, finalement, j'ai compris. On a dit, mais lui, quand il veut se moquer de moi, il dit, maintenant, là, tu gères ton indé. Tu gères quand, maintenant, même, là, tu es devenu... On dirait que tu es devenu plus avant. Tu as dit que c'était moi qui étais avant. Mais là, on dirait que tu me dépasses. Donc, pourquoi? Level de quoi, Barkissou? Level de quoi? C'est level de quoi? Hein, le mot là même est venu à la mode. C'est le level. On est level. Level en anglais, c'est quoi? C'est niveau. Donc, il n'y a qu'un problème.
Et puis on fait level, on dirait, c'est un autre mot. C'est en anglais, ça dit niveau. Donc, où est le nouveau mot qui est venu? Et puis on va faire comme si, il y a quel problème? Il y a quel problème? Les blancs nous trouvent ridicules. Quand je suis partie en... je suis partie en France. J'allais à, comment on appelle ça, à Saint-Cyr. Et puis j'ai profité pour visiter le château de Versailles. J'ai dit que les deux dames françaises dans le métro RE, je sais plus quoi, elles faisaient que me regarder. Ben quand on est descendu, oh mon Dieu, vous êtes belle, ben je regarde votre sac. J'avais porté mon même sac marron, Michael Kors. C'est mon sac qui est là, mon sac adoré. Vous allez me voir toujours avec ça. Elle m'a dit, parce qu'elle a vu le sac, c'était tellement de valeur que elle me dit, mon Dieu, vous êtes le sac. J'ai dit oui, que c'est mon conjoint qui me l'a offert, tout et tout. Papa Sylvain m'a dit, te salue. Il est fatigué, il a beaucoup travaillé aujourd'hui. Il dit, ah, blanc aussi reconnaît que tant. Donc pourquoi vous fatiguez tant? Attendez, quand vous allez être à la retraite là, quand on aura tout réalisé, nos projets là, et puis on va se mettre dans les marques. Je vous ai dit que je vais aller sur la plage de Miami. Quand je dis Floride là, c'est à Miami, hein. C'est là-bas, vous allez me voir. Dans le petit bikini, bien, avec le roi. Tranquille. Mais il faut préparer ça, hein. Pour se jouer les faux riches. Joanna Kona épouse Endoré. Je vais bien, merci. C'est ça, pour se jouer riche. Oui, ça, il est venu dire que je suis riche. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche par toutes. Oh, Bomo Mariam Kouadio, je ne sais pas si c'est de toi. Je ne sais pas si c'est toi, mais dans tous les cas, je reçois des messages des hommes. Ah, ok, on va se voir. Quand le roi était venu au début, il est arrivé. Moi, j'étais au pays. Oh, papa, envoie-moi. Alors, tu sais, quand tu es là-bas, puis ton mari est ici, là. Tu t'es dit que ça va ici chez lui, tout et tout. On a eu le visa ensemble. Hein. Vous savez, mes histoires, quand je les raconte, elles sont tellement vraies que je les répète. Il a dit, bon chéri, je vais aller voir là-bas d'abord. Il est venu, d'ailleurs mes copines là-bas. Parce que quand ton mari est venu, et puis maintenant tu t'es la pète là, hein. Son mari est un benguis. Bientôt elle va être la benguis. Maintenant, me voilà, j'ai dit, papa, mes amis et moi, on a fêté mon anniversaire. Tout et tout, cette fille. Il dit, quel anniversaire? Pour envoyer là, pourquoi? Attends, le gars en train de quitter pour m'envoyer billet d'avion. Moi, je suis dans l'anniversaire. Voyez-vous comment j'étais? Je parle là, je vous ai dit que j'étais une acheteuse compulsive. Riche forcée. On peut devenir riche forcée. Il a dit qu'il faut attendre. Quand tu vas venir là, le jour tu pars à Abidjan, tu vas faire l'anniversaire, il m'a mis dans tout et tout. Mais quand je suis venue, j'ai vu comment on souffre pour avoir l'argent ici. Il a dit que je ne suis pas dans tes trucs là. Il dit, je suis... Attends, le gars faisait deux jobs pour payer le billet d'avion. Moi, je suis dans mes projets ridicules, dans mes rêves là-bas. Qu'il n'a qu'à m'envoyer là pour faire l'anniversaire à mes copines. Pourquoi on dit que son mari, c'est le benguis? Il a dit que partagez mon petit direct. Il y a information dedans, non? D'après, il dit l'impacteuse. J'aime trop tes petits directs de vendredi soir. Ben, on rit et puis il y a tout dedans. Si c'est à sa taille, je vais bien, merci. Vous comprenez? C'est ça qu'elle a dit, non? Elle commande. Commander qui? On ne commande pas quelqu'un ici. On ne commande pas. Il te parle bien et puis il passe. Tu as fait quoi? Ça ne chauffe pas? Il va pas, c'est que je ne vais pas te manquer de respect, mais il va te dire que dans tes délits, là, je ne vais pas te suivre dedans. Il ne m'a jamais suivi dans mes délits, c'est pour ça qu'on s'est réalisé. S'il me suivait là, on n'allait pas arriver quelque part. Et on n'est pas arrivé quelque part. Projet ridicule, merci beaucoup. Et quand j'ai quitté là-bas dans mes trucs là, quand j'ai quitté, oh non, quand c'est quoi, tu mens, hein?
quand tu t'en fais les achats compulsifs, non, ça c'est en solde, ils ont diminué. Et ça, toi-même, tu sais que chaque jeudi, comme ça, on diminue pour toi seulement. Les mensonges de ça. Vous comprenez? Il est temps qu'on arrête. Arrêtons ça. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Vous comprenez? C'est aujourd'hui, maintenant, là même, j'ai la paresse de tout ça. Tellement je veux réaliser quelque chose. J'ai la paresse de ça. Mazo, tu ris, c'est ça. J'ai la paresse de ça. Merci pour les cœurs, mes impactés adorés. Ah, c'est le roi, hein? Lui, c'est l'espoir. Hein? Il est Dieu, où tu le vois là? Ah, mais généreux, sans problème. Mais il te dit, ben. Il dit, faut attendre. Maintenant, quand je suis venu et puis je suis parti travailler dans le coin là, j'ai dit, oh, moi, papa, mon pied, crampe a pris mon pied, oh, c'est cool, papa. Il dit, ah, c'est là-bas, j'étais là. C'est dans le coin, j'étais. Et puis tu as dit de t'envoyer un anniversaire à Bigan. C'est le coin qui est là, comme mon pied. C'est ça. Et ça, j'ai dit, ah bon? Qu'est-ce que tu as dit? Quand mes soeurs m'appelaient maintenant, non, tata, j'ai dit, ah, ici, là, c'est dur pour avoir l'argent. Hein. Elles m'ont dit, ah, Monique, toi aussi, tu es rentrée dans, tu as déjà bu l'heure haut de c'est dur, là. Mes soeurs m'ont dit ça à l'époque. J'ai dit, non, hein, c'est pas facile pour avoir l'argent ici. Ici, c'est pas Abidjan. C'est moi maintenant, j'ai commencé à conscientiser. Là. Quelqu'un m'appelle du pays, j'ai tel problème, oh, j'ai réagi à gauche, à droite. J'ai dit que. Publicité gratuite. On fait publicité gratuite. Non, tu vas faire publicité gratuite. J'ai tant, je suis comme ça, non. Hey, là-bas. Non, moi, il y a des gens, ils regardent, ils disent, d'accord. Mais on va en parler quand même. On va en parler. C'est ça quoi? Non. Bon, il y a des hommes, on dit il y a un garçon aussi qui est dans Mac. Bon, toi le garçon, tu es dans Mac. Bon. Le garçon qui est dans Mac, je vais faire quoi avec toi? Je ne parle pas de toi, je vais parler des femmes. Shopping chaque semaine, qui a dit ça? Mariam. Comment on appelle ça? Oui. Comme moi. Chaque semaine, moi, je ne cache pas pour moi. Moi, c'était jeudi de paye. Il y a ma chérie, Lucita, ma voisine. Elle et moi, on se soulève. Avec Claudia, la marraine. Et nous sommes les... À un moment donné, là, chacune a regardé. Il a dit à Lucita, mais si on fait comment, c'est quand on va payer le condo en Floride. Il faut qu'on paye ce condo-là. Parce que moi, je ne vais pas en Afrique pour la retraite. Hein. Je m'en vais là-bas. Ou au moins, là, on va prendre ma santé en charge. Je vais aller vivre en Afrique à ma retraite. Donc, il faut que je diminue les marques. Il y a d'autres mains, je paye après, ils disent non. Et ça, là-même, là. La chaussure, là-même, n'est pas bien. Là, le sac, là-même. Ah. Tu as rien payé, tu l'as rien donné. Là. Toi, ça, tu te plains dans la maison. Bon, c'est couché là-bas. Non, il faut que je trouve. Mais un jour, il m'a dit, mais j'ai dit, ça, là-même, là, tu as payé, là, tu n'as pas porté. Non, je cherche le sac qui va aller avec ça. Donc, tu n'avais pas le sac. Et puis, tu étais allé payer ça. Tout ça, là. On ne peut pas s'en sortir. Tu n'avais pas encore le sac. Ou bien tu n'avais pas encore la chaussure. Et puis ça dort là-bas. Bra Barikisu Yesufu, tu as raison. Il n'y a rien dedans. Kala. Kala, ton père t'appelle. Il n'y a rien dedans. On peut faire pour te faire plaisir. On peut faire ça pour se faire plaisir. Il y a pas, ce qu'on est en train de dire là, c'est le côté abusif. J'insiste là-dessus toujours. C'est le côté abusif là, c'est ça qui dérange un peu. Sinon, se faire un petit plaisir un jour, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais en soi. Vous comprenez, non? Attends, c'est ça. Vous comprenez? Ah, hein! Je suis la marraine. Envoie-moi, attends. J'ai dit pardonner. Je me suis mariée à 4.
C'est pour ça que je n'ai pas photo de mariage pour mettre là. La seule photo que j'ai, même, je l'ai perdue dans mes choses. Oui, je vous ai dit que je suis désordonnée. J'ai perdu photo là. C'est le monsieur, lui, c'est lui de mon papa. Où est la photo de mariage? Il va trouver moi. Je ne sais pas où c'est. Même date de mariage où je vous parle, si elle me rappelle la date, je suis obligée de lui demander. Vous voyez comment je suis spéciale, non? Date de mariage, il ne me rappelle pas. Souvent, il dit, papa, c'était le... Il dit, pardon. Quand tu as retrouvé ta mémoire, je t'ai dit quand je suis fatiguée. Vous comprenez? Hein? On m'appelle pour dire que non, tu vas être quoi? Je dis non, je me suis mariée à 4, donc je ne peux pas être marraine de quelque chose là-bas. C'est pas, je ne suis pas méchante. Ce n'est pas la méchanceté, mais c'est juste que non, je n'ai pas l'investi. Ton enfant a un problème. Tu es mon proche, l'enfant a un problème pour aller à l'école, l'enfant est malade, tout et tout. Automatiquement, je réagis. Mais les affaires de non, je fais anniversaire, je fais mariage, tu vas être la marraine. Je ne peux pas être marraine de quelqu'un. Momo Mariam Kouadio, merci. Diminuer un peu. On ne peut pas dire de couper totalement. Diminuer. Si tu payais deux humanitaires ou deux par mois, il faut commencer à payer un. Il faut commencer à payer un sac à main. Tu n'es pas obligé de payer sac à main. On ne sort pas en Occident. Il a dit que, en tout cas, au Canada, on ne sort pas. Aux États même, je suis allée là-bas. Là-bas même, là, le travail même rend les gens même débiles même. Tellement les gens travaillent. Exactement. Souvent, on se... Oh, Cynthia Nafri, merci. Souvent, on oublie même qu'on avait acheté. Elle dit bonsoir, collègue. Là, là. Mais c'est pas que mon métier. Souvent, on oublie qu'on avait acheté le même truc. Chérie, un jour, j'ai payé, l'été, j'aime que les lins cassés en été. J'ai payé, je m'a dit, mais c'est pas même que tu avais payé autrefois là. Et puis là, ici là, non, ça là, ici là, la marche là est comme ça, non, c'est pas même chose. Tu vois, ici là, le coup éveillé me justifie toujours. Tu veux la souris? Vendredi là, c'est ça, tu n'as plus rien, Mariam Ignora. Quand elle vit craint, tata, c'est bon comme ça. Quand tu es vide, il n'y a pas l'argent dedans. Tu marches dans la rue là-bas, là. On va t'appeler. Les mamans, les papas, là, ils sont tellement vulnérables. Tu es en Occident, tu mets dans les marques, tu mets dans les marques, là. On t'appelle pour te dire, bon, voilà un gros diagnostic. Si ta maman, si ton papa, tu fais comment? Moi, c'est la partie qui m'inquiète. Il y a tout, il dit que le jour qu'on dit que ma mère est malade, il faut que j'ai ça sur moi. Ça dit pour envoyer le premier gros montant. Mais tu n'as pas. Tu es allé voir l'association, demander crédit. J'ai dit que pour avoir ta dignité en Europe, la faire des crédits entre les amis, il faut quitter dedans. Quitter dedans. Donc, pour éviter ça, la garder, diminuer les max. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit de couper, il a dit de diminuer. Est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas là pour faire un lavage de cerveau aux gens. Je suis là pour parler à mes parents africains, à mes soeurs, je vous parle du fond du cœur. Vous comprenez? Où on sort même, il n'y a pas un endroit où partir. J'ai dit que oui, je suis là, la seule prière que je fais. Vous me voyez là, le seul stress que j'ai, vous voulez que je vous dise, c'est que on nous permet de voyager l'été. J'ai dit que si on ne me permet pas de voyager l'été, là, peut-être que je vais tomber en dépression. C'est ma prière. Ce matin même, je disais ça à Wendy. Elle a dit, oui, maman, je sais que depuis le COVID est arrivé, ça t'a coupé beaucoup. C'est ma prière qui est là. Tontine pour payer à billet. Moi, j'ai pris tontine et puis j'ai payé à billet ça. Hé, hé, là, là. Non, mais... Vous comprenez? C'est la réalité qui est là. On a tellement, nous-mêmes, nous les Ivoiriens, on a, c'est oui, hein, Africains en général, mais Ivoiriens en particulier. Quand le consultant devait partir, le consultant, il y a longtemps, il part à Abidjan, hein. Il fait ce travail, ça fait 20 ans. Quand il devait partir à Abidjan, on est parti dans son bureau, tout et tout. C'est pas la vidéo que vous avez vue. L'autre, la première fois, on était parti. On a fait une réunion, tout et tout, tout et tout. Bon, c'était la première fois qu'il était dans ce projet, tout et tout. Il demande, bon, je m'en vais à Abidjan, je suis comme ça. Ça va? J'ai dit, tu ne vas pas être comme ça, comment tu es là? Il dit, non, quand je vais à Abidjan, il fait chaud. Je suis dans... Il a dit, non, 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 non. Là, là, ils aiment... ouais, on va te voir d'une manière. Ils vont dire, ah, l'impactose aussi, son consultant, dont elle parle tout et tout là. C'est lui qui est là, tu le vois, mais il ressemble à rien. Il était habillé d'une manière. Il faut sauver les apparences. C'est ce qu'ils aiment. Il dit, mais comment ça, mais il fait chaud? Monique, moi, je m'en vais à Abidjan, tout. Il a dit, mon cher, tu t'en as un voyage d'affaires.
porte costume, elle veste ici, quand ils vont te voir, le consultant. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il était versé dans le bureau. Il était versé. Et j'ai dit, oui, parce que là, tu t'en maintenant, tu viens du Canada, tout et tout. Moi, on dit, tu le vois, mais il ne ressemble pas. Tu veux qu'on. Sylvain m'a certain de lui. Tu veux qu'on dise qu'elle parle de lui, qu'on consulte, mais tu le vois, on dirait en bas de tapette. Pardon. Pardon. Il faut te. C'est-à-dire, j'ai dit, M. Magui a parti chez ses costumes. J'ai reçu que de bons commentaires. D'autres m'ont dit, ah, le pasteur, si tu le vois même là, tu sais qu'il vient du Canada. Je ne sais pas ce que j'avais dit. Faites le direct, mes personnes. Causerie du vendredi. Monsieur Magui dit, non, Monique, tu es trop forte. J'ai dit que c'est la vérité, Denis. Non, je vais te relaxer. Tu t'en vas à Sini. Tu les reçois au Golf Hotel. Ça te prend une image. Ça, c'est l'ivoirien. Malheureusement, c'est pas au golf que tu les reçois. Donc, ça te prend une image de toi. Tu n'as pas le choix. Hein? Ils vont quitter, tu le vois, même 100 balles comme ça. Elle parle sur Internet là-bas, là, on le voit. On est parti voir M. Magui, il ne ressemble à rien là-bas. Pardon. Il a quitté, il est venu, il m'a fait le compte rendu. Apparence, les apparences. Vous comprenez? Les apparences. Est-ce que c'est si important? C'est si important? Tu payes les marques, tu es dans les marques, tu es dans les marques, tu as ta fille, tu as ta jeune adolescente, 12 ans, les enfants, il n'y a même pas un compte qui est structuré pour ne pas que, ça dit, si elle arrive à 18 ans, elle tombe dans les prêts et bourses automatiquement. Oui, c'est vrai, hein? S'ils veulent faire des longues études, à un moment donné, ils vont prendre les prêts pour aller. Mais si tu peux sauver un peu. Je salue ici ma soeur Yolande Ndong. Yo, je te salue. C'est qu'elle dit Momo. Si nos enfants doivent tomber dans les prêts et bourses, c'est qu'ils s'en vont dans les études universitaires. On ne peut pas les laisser encore dans les prêts, les mettre déjà dans les prêts et bourses pendant qu'ils sont encore au cégep, tout et tout. Mais on prépare tout ça. Tu travailles, fais un petit sous-compte. Dans ton compte là, fais un petit sous-compte de tes enfants. Même si c'est 20 dollars qu'on leur vit chaque fois quand ils sont adolescents pour leur apprendre la gestion de l'argent. C'est tout ça qu'on dit. Je suis un parent responsable. Non, pour toi. On m'a donné prix de beaux perruques là-bas. En tout cas, pour moi, là, c'est Wendy qui a commandé. Hein. Elle a commandé. Ma petite soeur ici a fait ma perruque, tout et tout, tout et tout. Mais on m'a donné prix de vos perruques et je vois que vous portez la main. On dit les 200 euros. J'ai dit quoi? 200 euros, 300 euros. J'ai dit, mais est-ce que je vois toujours qui change? C'est pas que tu vends, hein. Tu vends pas perruque sur les réseaux sociaux. Et puis, tu changes à chaque direct. Tu changes. Oui, c'est vrai. On peut nous solliciter pour des publicités. Ça, j'enlève. Mais non, tu n'as pas, dans ta vidéo, tu n'as pas parlé de la publicité de la perruque là pas à toutes. Tu n'as pas parlé de ça. Tu as juste mis ça sur toi. Et je te suis. À chaque direct, tu as des perruques différentes. Et on m'a dit que perruque là, ça fait au moins 200 euros. Mais tu es bidé. Tu es zéro pointé. Moi, l'impact, je te parle. Depuis mon canapé en cuir. S'il vous plaît. Du vrai cuir. Quand on est arrivé, on est parti payer les meubles. Simili-cuit, c'est ici que j'ai appris simili-cuit. On était content. Ici, les vendeurs ne mentent pas. Hein? Oui, ils ne mentent pas officiellement, mais ils te donnent l'information d'une manière que toi-même, c'est après que tu vas voir dedans. Simili-cuit. Ah, on a vu simili était moins cher. J'ai dit, ah, on va prendre ça, c'est le. Pourtant. Il a bien précisé simili cuit. Hein? On a pris simili, là, on est venu à la maison. On arrive à la maison, on a bien, on est dedans, on était fiers. C'était notre début, non? On était fiers. Dites-moi combien de temps ça fait. Mais partagez le direct. Et où ma tablette? On dit. Géza. Tu vas venir à mon secours. Il a dit que. Il faut que ma deuxième fille la fasse.
Elle va venir, c'est pas elle vraiment. Je comprends. Il y a senti l'appel là, d'après son papa. Comme elle est seule dans la maison, elle fait malin sur nous. Sa soeur va venir. Donc descends. Descends. Faut m'envoyer ma tablette dans l'autre chambre là-bas. Ma tablette, s'il te plaît. Merci, Tina. Et ils ont dit que Simili, je ne peux pas dire que le vendeur nous a menti. Je n'ai pas qu'on parlait, vous riez. Je n'ai pas dit qu'il nous a menti. Il nous avait dit la vraie vérité. Mais quand on va, on est tellement distrait que. On a pris, on est venu. Je faisais mon atalakou. Je prends mes photos. À l'époque, je n'étais pas blogueuse. Je prends. Oh, je fais... Et puis maintenant, on est là. Oh. Simili, il a commencé à se gratter. Ça commence à se gratter. Il dit ah, merci pour la personne qui m'a envoyé les nouvelles étoiles. Il dit ah. Fauteuil là aussi, il a dit que c'était en cuir. Mais pourquoi ça se gratte comme ça? Ça se gratte maintenant là. On est obligé de prendre le. Comment on appelle ça? Ah, j'oublie le nom de ce truc là. On me cache maintenant. Vous riez, hein? Bah, ça là, c'est une vérité. Donc, qu'est-ce que tu fais? Parce que ma grande soeur même a été victime de ça. Moi-même, j'étais victime. Tu connais pas. On dit 6000 cuits à un cuit. Toi, tu as regardé ce qui est moins cher là. Pour vous dire des. En fait, je vous explique ça pour vous montrer les achats qui sont bien. Donc, quand c'est quoi maintenant? Le jeté là. Tu caches ça. Comme ça. Parce que toi-même, tu sais que la partie là est grattée comment? La partie est grattée comme écaille de crocodile. Je ris de moi, mais ben c'est la réalité. Donc, on a caché ça maintenant. Ah, chérie, dis, chérie, on a changé le fauteuil. Là. Il a dit, on a changé. Moi, je suis fatiguée quand on a caché, quand les étrangers arrivent là. On va cacher. Tellement on a dit que le monsieur a dit c'était un cuit. Quand on est reparti maintenant acheter, on nous a dit cuit. Je suis par terre, Dias Toubilia me par terre. J'ai dit, c'est quoi la différence entre le cuit? Il dit le cuit, vous pouvez le garder 10 ans. Vous pouvez le garder autant de temps que vous voulez. Peut-être que à la longue, voici le produit pour l'entretenir. Oui, elle dit c'est du passé. Ah, c'est ça. Tout c'est mon histoire et raconte oh, l'ignorance. Premier gaou. Donc il a dit non, le cuir, vous pouvez le garder au moins 10 ans propre. Voici le produit. À la manière de ma vieille Mertina. Merci beaucoup. Pour. Donc, effectivement, j'ai dit, Choubi et moi, on était unanime, on était d'accord. Il a dit, chérie, on va prendre le simili, on va prendre le cuir. C'est comme ça. J'ai pris fauteuil en cuir depuis des années, il n'y avait pas de problème avec ça. C'est ça, au moins, ça m'a coûté cher, mais c'est un achat que je ne regrette pas. Parce que le simili cuir m'avait bâtarisé. Ça m'a bâtarisé bien raide. La honte de ça. Ça, ce sont des achats. Vous comprenez? Ils sont baissés. Là encore, où va Koulibaly, comment vas-tu? J'ai dit que causerie du vendredi même intéressant que les directs des jours. Eh ben c'est pas que moi on rit quoi. Aïe. Plus, non, c'est fini. Même dans l'appartement à Miami, c'est plus de, je veux plus de simili-cuits, non. Petit, des petites fautes. Peut-être, je préfère voir quelque chose même en tissu. Là on est vieux maintenant, tout et tout. Pas de simili-cuits. Ça, c'est un achat à long terme. Mes fauteuils, vous voyez, noirs dans ma maison, ça m'a coûté très cher, mais c'est du cuir. J'en ai au moins pour une bonne... Ça dit que... Non. Voilà. 20 ans même si tu veux, comme a dit. On n'est pas nombreux, donc ça tient. Non, c'est ça. Je suis là pour parler. Pour dire... On n'est pas ici pour... Pour rabaisser quelqu'un, non. On est là. Pourquoi on prenne conscience? Est-ce que cet achat que je fais là,
Il faut le regarder sur le long terme. Voilà, il faut le regarder comme ça. Faut pas juste faire. Chérie, doucement, ton truc à ça. Le brûlant. Il faut laisser, j'ai arrangé tout ça après. Faut chercher à dormir depuis matin. Faut chercher à te reposer tout en travail. Vous comprenez? Faut pas juste faire. Chérie, faut chercher à dormir depuis matin. Oh, c'est ça. Vous comprenez? Jusqu'à la retraite. Ça fait une heure, mais je suis là. Est-ce qu'ils ont pas taillé même? Vous riez, mais vous ne partagez pas le direct. Et regarde, direct, on attend et rit là. Je vais bien, vous ne partagez pas le direct. Oui, quand aïe, je suis à mon côté, ça là, Tina. En un mot, faisons des achats réfléchis. Merci Sylvain Mas. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu peux te payer un bon sac à main, un, deux, mais quand ça va dans 3, 4, rempli là, partagez le direct. Vous n'avez pas taillé, mais pas assez. Pourtant, vous aimez. Ou là où on met l'argent, on le fait pourquoi? Vous comprenez? Ouais, c'est ça. Il faut affronter cette réalité-là en demandant l'aide. Je vous ai dit qu'il y a un problème en bas. Merci beaucoup. Si tu fais ça, ça veut dire qu'il y a un problème en bas. Voilà, c'est, vous comprenez? Parce que dans les achats compulsifs, dans les comment on appelle ça? Dans les achats compulsifs, ce qu'ils ont dit, ça veut dire qu'il y a un désordre émotif. C'est pas simple. Il y a un désordre émotif. Allez taper sur Internet. Quelqu'un qui se vante de ses marques. Quelqu'un qui, je porte ça, je suis comme ça, mais Marc, il y a un désordre en bas. Il y a un problème, il y a un problème mental en bas. Tu n'as pas fabriqué ça. C'est ça. C'est pas moi qui le dis, hein. Vous comprenez? Des gens qui amassent là, vous amassez, ça dit vous faites de l'amassement compulsif. Mais pourquoi on dit compulsif? Parce que c'est pas contrôlé. Tu le fais sur le pif. Donc, il y a problème en bas. Vous comprenez? Tu as donné mon propre exemple. J'attendais que les jeudis. Les jeudis, quand ils finissent de payer mes factures, là, comment ça fonctionne? Il y a une partie où les factures passent. Et puis, il y a une partie, ça dit le deuxième deux semaines, là, c'est un peu loose façon. Là. C'est là qu'il m'a fracassé les magasins. Il m'a fracassé. Quand il est parti à Babi, quand il s'est arrivé, il a dit... Quand je suis arrivé à l'aéroport, le monsieur pensait qu'il partait vendre. Il a dit, moi, vendre à Abidjan, il ne me veut pas. Il voulait me compliquer la vie. Il a dit, non, j'ai pris quelque chose, je lui ai donné dans les affaires qui étaient dans la valise de Wendy. Et puis moi-même, je lui ai donné un petit quelque chose. Il a dit, non, il n'y a pas de problème, moi, je suis venu en vacances. Tellement j'ai appris. Il faut faire plaisir. Mais quand je m'en vais là, c'est une autre façon de voir les choses. Ce n'est plus la même façon, vous comprenez? Les vrais riches sont simples. Merci, Cilia. Merci. Bon, c'est ça mon message. Réduisez. Il y a un complexe, c'est ça, Rebecca Juniorman. Réduisez. Vous comprenez? Faut réduire. Qu'est-ce que j'ai à dire? Dites-moi le temps que ça fait et puis on va couper. faut penser, oui, je paye les marques. Hein. Oui, dans mon milieu, on dit, ah, elle est tellement bien habillée. Si tu la vois, elle a les marques, mais. Eh, ma grande, non. Eh, au village. Pas tu as dit qu'on t'entend là-bas, hein. Ma grande, non. Ou eh, au village, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est mon dialecte. Tu comprends? Tu as dit qu'on t'entend là-bas. Qu'est-ce que tu as laissé là-bas? C'est un désordre émotionnel. Claire, Françoise Agbangba, c'est clair. Elle dit non, trop doux. Tu as dit qu'on va t'enterrer. Moi, j'ai dit qu'on ne mentait pas là-bas. Un jour, mon grand-père m'a appelé. Donc, ton affaire, j'ai dit oui, c'est vrai. Il dit, ah, d'accord. C'est ce que tu as dit. Mais tu as dit qu'on t'enterre là-bas, là-haut. Donc, on a fait publicité de acheter malin, c'est ça. Une heure.
Tu comprends? Donc, moi, en tout cas, si j'avais décidé là-bas, waouh, je suis allée, oulala, une heure, oh my God, c'est long ça. Si j'avais décidé que c'était là-bas que je faisais mes, ça dit que mes vieux jours, c'est au village, j'allais faire la ferme, ça dit les poulets, entendre le ça dit que donner de la, les grains, les trucs aux cochons, c'est des choses que j'aime. J'ai une impactée qui vit à Bordeaux, sans la nommer, qui m'envoyait des images. Elle a vu comment je suis tombée sous le coup de l'émotion. Juste savoir qu'elle vit dans une vaste maison, dans la, ça dit que dans un coin bien, tout et tout. Et puis elle m'a montré les images où elle avait porté ses bottes, elle faisait son jardinage. Moi, c'est des choses qui m'intéressent. Si je partais en Afrique pour la retraite, pour mourir, c'est au village. C'est pas en ville. Mais je connais ma santé, donc je peux pas dire que je m'en vais là-bas. Ça dit, si moi-même, je décide la retraite là-bas, ça veut dire que j'ai réduit, mais je parlais ma santé, ça prend un milieu occidental pour qu'on prenne soin de moi. Afin de brûler le corps, là, Tina, je suis déjà, je pense à quelque chose. On va pas brûler, on va enterrer. Maman, enterrer, c'est un choix. Brûler le corps, enterrer, il y a prix d'enterrer et puis il y a prix de brûler. Tu comprends, Tina? Il y a prix d'enterrer. On sait pas. Les corps qu'on brûle en Occident, c'est les corps où on n'a pas. C'est-à-dire, c'est les corps où on n'a pas. On a fait notre choix. Sinon, pour moi, il n'y a pas brûlé corps. Dans le testament, c'est clair, tout et tout. Vous comprenez? Merci beaucoup. Donc, c'est ça. C'est ça. Merci pour les cœurs. Voilà. Je comprends, mais moi, on brûle pas. Si tu veux, moi, je vois qu'au pays, on prend pas soin. C'est la même chose là. Au pays, là, c'est oui, manger, chier, les remplir, les baisser, tout et tout. Après ça, là, on a atterri, oh, c'est fini. C'est fini. Y a qui là-bas? Hein? Y a qui pour aller nettoyer là-bas? Y a pas personne pour nettoyer pas en tout. Donc, c'est la même chose là. Oh non, c'est dans la glace. Moi, je suis déjà parti. Où est glace? Je connais glace ou bien je connais pas glace. Je connais pas la glace. Partagez, ma Juju, comment tu vas? Manger chier, oui. Aïe, funérailles chez nous, c'est manger chier. Merci beaucoup, Sylvain Mas. Merci. La, 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 la. Il faut se donner les moyens. L'argent brûle tes doigts. Si l'argent brûle trop tes doigts, là. Si tu te vois aller acheter tous ces trucs de marque, trop, là. Pour investir dans les œuvres humanitaires. Merci beaucoup. Andri, Lucette et Jenny Assima, merci. Si l'argent brûle, c'est pas mauvais. Quand tu apportes du réconfort dans des vies là, je te dis. Il y a une impactée qui a vu ma vidéo. Quand elle parle, on trouve que si. Il y a une impactée qui a vu ma vidéo. Il n'a pas dit où elle est. Elle, c'est que si elle a quitté son pays. Elle a confié sa fille à sa mère. Mes amis, sa fille a 12 ans. Sa fille enceinte de 8 mois. Elle dit qu'elle a vu ma vidéo sur Coco Argenté. Ça dit, elle était en pleurs. Il y a vu des gens qui ont dit. Elle dit, si elle commence à faire ouais, mais ce qui m'a fait mal, c'est qu'elle, elle dit, j'étais pas là-haut. Marie, Sandra, Korogo, comment vas-tu? Merci beaucoup. Vous comprenez, causerie du vendredi soir, vous aimez ça, je vous demande de partager, vous aimez ça. Ben, je vois qu'on rit, il y a beaucoup de. Ça marche bien. C'est ça. Donc. Vous paraissez ridicule. Oui, je dis vous. Moi-même, la femme québécoise s'est sentie ridicule. Donc, je ne vais pas dire vous. On paraît ridicule dans nos marques devant les blancs. Je dis ça, Rora, et ça ne chauffe pas. Moi-même, là, elle m'a dit, ah, ouais. Quand Québécois te dit, ah, ouais, ça veut dire qu'il ne comprend pas bien. On paraît très ridicule.
France, quand on a nos marques et puis ils connaissent notre statut. Oh, merci beaucoup. Il a la mine. Oui, j'ai beaucoup de Québécois qui me suivent au Québec. Ils m'envoient des messages. Beaucoup. Beaucoup. Ils disent à leur femme là. Il y a une ici aussi à Mont-Tremblant. Il dit à ta femme, tu sais que cette dame là, elle est née en Afrique? Elle dit, oui, elle est née en Afrique. Il dit, my God. Merci, Tina. Merci. Il m'aime trop. C'est gentil. Tu comprends? Il paraît ridicule. Le Québécois, lui, il essaie de voir comment il va arranger sa... Exemple, il a sa maison. Comment il va arranger sa maison pour que la maison prenne de la valeur? La piscine qui est dans ma cour, là, ça a donné de la valeur à ma maison quand ils sont venus évaluer. Vous comprenez? Quand j'avais acheté cette maison, il n'y avait pas la piscine. Quand je l'avais acheté, il n'y avait pas de piscine. Je n'ai pas de piscine. Vous voyez que piscine. Mais piscine a donné de la valeur à cette maison. Vous comprenez? Le Québécois lui s'est dit non, je vais ajouter quelque chose, ça donne de la valeur. Est-ce que le geste que tu es en train de poser, ça donne de la valeur à l'avenir? Vous l'aviez ma question? C'est ça qui est là. Hein, il fait les flaplas, hein, ça, hein, mais ça a donné, ça donne de la valeur. Tu as acheté une maison et puis après tu as mis piscine. Tu as mis spa, tu as mis clôture, tu as mis, comment on appelle ça? Tu as mis un autre quelque chose, tu as ajouté, ben ça donne de la valeur. C'est ça qui est la vérité. Oh, Tina. Posez les gestes qui, pour l'avenir. On n'est plus là. Même clôture donne de la valeur. Ayounia, Maté Liliane Nguessan, merci beaucoup. Même clôture donne de la valeur à maison. C'est clair? Même clôture, ça donne valeur. Tu avais acheté la maison. Il y avait combien de pièces dedans? En bas, le sous-sol, tu n'avais pas trouvé de chambre. Il n'y avait pas de chambre dans le sous-sol. Tu te dis, bon, je fais 3 chambres dans mon sous-sol, mais ça donne de la valeur à ta maison. Donc, si je dois investir de l'argent dans mon sous-sol, pourquoi je vais aller investir 2 000 $ dans un sac à main? Je suis malade. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Gwene Ekbaro, comme on dit dans mon dialecte, je ne suis pas folle. C'est ça. Voici des achats réfléchis que moi, je vous demande de faire. Mm-hmm. Merci beaucoup. Il a tout dit. Parmi tes amis, tu es la grande porteuse de marque. Hein? Oui, pour faire venir les parents en Occident, il y a le facteur chance. Je dis chance parce que tomber sur le bon réseau, c'est une chance. Même quand tu changes les cabinets de cuisine, si tu avais pris la main avec une cuisine, merci. Ah, toi, on dirait qu'on est dans le même registre. Hein? Matt et Liliane Nguessan. On est dans le même registre. Mmh. Par exemple, tu parles là. On dirait que tu connais l'affaire. Là. Tu connais l'affaire. Vous comprenez? Merci beaucoup. Bon. Maïmouna Koulibaly est pour. Ok. Bon, on doit être dans la même affaire. Par façon, vous parlez là. Ça, c'est. Merci. Vous comprenez ce que je dis? Donc, bon, l'impacteur, c'est Gaou. L'impacteur, c'est tant. L'impacteur, c'est tant. Et puis, moi, je vais prendre ça au premier degré. Je ne prends pas au premier degré. Je ne prends pas ça au premier degré. Ou toi tu as tenu, ça dit où tu n'as pas encore regardé là. Moi je viens en Amérique du Nord, je regarde plus loin. Je regarde plus loin. C'est ça. Donc on est là. On est là pour que on se réveille. Ah, yes, ça y est, voilà. Par la façon. Le discours là, il bat dans mon sens. Maté, il bat dans mon sens. Il n'a pas dit ton nom pour ne pas attirer l'attention sur toi. Il bat dans mon sens.
Ailleurs, vous vous vantez de l'habillement. Nous, on se vante d'autres choses ici. Mais témoin des cœurs. Vous vous vantez de vos marques là-bas. Nous, on se vante d'autres choses. Donc, analysez pour comprendre. Mais, oui, hein, elle est comme ça, mais attends. On voit que le derrière est soudé. Je vous parle de l'Amérique du Nord. De quoi on me parle? On me parle de quoi? Même le terrain. Ah, mais t'as que c'est une vidéo de Abby que tu as porté. J'ai dit, elle dit quoi? Quoi, Abby que tu as porté? Mais Abby que j'ai porté, mon nom est inscrit dans de l'hypothèque. Je suis en train de négocier une hypothèque en Floride. Donc, on n'est pas pareil. On me parle de Mac. Hein? Mac. On se reconnaît dans des Mac? Non. Arrêtez de vous identifier aux marques des gens d'ici parce qu'ils nous trouvent ridicules. Gaou est mieux. Gaou est mieux. J'ai dit, les femmes du Canada sont gaou. Les femmes, ben, quelques femmes aux États-Unis, par exemple, le travail même prend souvent la tête, les femmes aux États-Unis. Contrairement à souvent, c'est quand on veut partir, même on s'arrange. Les femmes des États-Unis sont gaou. Elles sont au Canada, elles sont gaou. Mais elles sont structurées. Elles sont structurées. C'est la vérité, elle dit. Elles sont structurées. Nous, on s'en va payer nos affaires de Mac quand le prix est à terre. Gaou vit à l'aise. Émeraude. Tika, merci. J'ai dit que partagez le direct si vous l'aimez. Partagez. Vous savez que je ne dis pas dans le direct de une heure de temps. Là, on est passé à quoi là? Vous mettez les cœurs, on rit. Il n'y a même pas un cran de mort. Tellement la vérité est là. Les rires sont tellement simples là. Le premier, je suis parti à Atlanta quand j'ai vu la maison d'un des proches de mon mari. J'ai dit wow. Eh, monsieur simple, il est venu à Abidjan, il a dit, le monsieur que moi j'ai vu à Abidjan, c'est sa maison qui est là. Ah, oh. Donc quoi? On parle de structuré. Merci beaucoup pour les cœurs. Soyez gaou en Occident. Soyez des femmes gaou. On n'a qu'à vous conseiller les gaou. Et puis, demain là, vous êtes tranquille. Les enfants ont réussi. J'ai dit, quand les enfants ont réussi là, tu es tranquille. Mais quand tes enfants n'ont pas réussi là, ça dit que tu apprends cette souffrance là pour y quand dans ta tombe. Guéné, Guégimourou. Comme on dit dans mon dialecte, Guéné, Guégimourou. Les enfants n'ont pas donné quelque chose. Les femmes au Canada, aux États-Unis, soyez des femmes gaou. Je veux que vous soyez des gaou. Je veux qu'on vous traite de femmes gaou. Vous n'êtes pas. Si vous voulez vous construire en Afrique, mais déjà, si tu as déjà quelque chose où tu es ici là, tu as déjà un pas sur quelqu'un qui est hier avec toutes les marques et puis le derrière, ça dit que devant et derrière est grillé comme mon mis. Qu'est-ce qu'il a dit? Waouh! Ça, les gaou. Il y a qu'on soit gaou. Il y a une blogueuse Kamer ici au Canada qui a fait un direct. Je suis tombé dessus. Le gars a dit que vous vous habillez mal. Tu t'habilles comme elle et Kamer. Hein? Son direct là. Je suis tombé dessus. Et puis, je suis tombé. Vous habillez mal au Canada là. Comme tu t'habilles, comme tu vois tes impacteuses là-bas, on s'habille mal. C'est vrai. On s'habille mal. On porte les gros sacs, les borons même en hiver. On porte les gros manteaux. Les manteaux bêtes, bêtes, mais on assure le derrière.
Les femmes au Canada, arrangez-vous avec vos adolescents pour que quand on vous paye aux deux semaines là, faites cette expérience là, mettez 20 dollars, ça dit de votre compte là, chaque deux semaines, on vous paye là. Dites à votre banquier, prends 20 dollars, mets sur le compte de mon fils là, mets sur le compte de ma fille. Vous allez voir le sentiment de fierté chaque deux semaines. Voici des vies structurées. On n'est pas dans du niamselé, man. On n'est pas dans du niamselé. On est dans du sérieux. Soyez des gaou aux États-Unis, soyez des gaou au Canada, et puis réalisez-vous. C'est ce que j'ai dit, c'est bang bang. Merci, Tina. Merci beaucoup. Je veux que vous réduisez l'endettement. C'est ça qui nous tue. C'est pour ça, c'est que mon message qui passe là. Il y a le problème de l'endettement. Réduisez ça. Réduisez. Arrêtez les achats bêtes là. Si tu as déjà eu la maison là, à faire des cas de crédit là, il faut blé dessus. Parce que c'est ça qui nous tue. Voilà. Merci beaucoup, mes impactés. Tout ce que vous demandez, c'est de partager mon direct. Vous voyez, il voit qu'on a ri du début de la perruque jaune jusqu'à la perruque dure, jusqu'à tout. On a ri. Non, partagez. C'est-à-dire, vous avez, mais il y a des informations dedans. Vous avez dit que vous ne voulez pas les tout et tout. J'ai dit, ok, je vous écoute. Je vous écoute. Merci beaucoup. Voilà. Oh, c'est gentil. Merci. Bonne soirée à vous. Il est tard. Partagez le direct. Merci. Au revoir. Merci pour tous ceux qui m'ont envoyé les cœurs. Merci. Au revoir.